Bonjour les élèves, nous vous présentons aujourd'hui cette leçon de lexique de la cinquième année de l'enseignement primaire, unité didactique numéro 6, intitulée les préfixes. Regardons les exemples suivants. Cet enfant méconnaît le danger du feu. Le conte est une histoire réelle. La destruction de la nature est désagréable. Nabil est un enfant surdoué. Lis les mots soulignés. Méconnaît, irréel, désagréable, surdoué. Très bien. Qu'observes-tu? Ils sont composés de deux parties. Très bien. Complétons le tableau suivant. Le mot dérivé méconnaît. Ça veut dire ne connaît pas. Le préfixe mais. Le radical connaît. Irréel. Ça veut dire n'est pas réel. Le préfixe ir. Le radical réel. Désagréable, ça veut dire n'est pas agréable. Le préfixe des. Le radical agréable. Surdoué, ça veut dire doué plus que l'ordinaire. Le préfixe sur. Le radical doué. Peux-tu me donner d'autres exemples? Bien sûr. Honnête, j'ajoute mal, me donne malhonnête. Résistible, j'ajoute ir, me donne irrésistible. Possible, j'ajoute im, me donne impossible. On passe maintenant à la règle. C'est quoi un préfixe? Un préfixe, c'est une lettre ou un groupe de lettres placées devant un mot de base qu'on l'on appelle radical pour former un nouveau mot qu'on l'on appelle mot dérivé qui aura un sens différent. Y a-t-il une relation entre le radical et le mot dérivé? Oui, le radical est de même nature que son mot dérivé. Exemple, pluie c'est un nom, parapluie c'est un nom aussi. Monter c'est un verbe, demander c'est un verbe aussi. Heureux c'est un adjectif, malheureux c'est un adjectif aussi. À quoi servent ces préfixes? Ils servent à former des mots de sens contraire du radical. Exemple, correct, incorrect, attendu, inattendu, légal, illégal, poli, impoli, régulier, régulier, irrégulier, propre, mal propre, faire, défaire, ordre, désordre. Ils servent aussi à exprimer la répétition comme RE. Lire, relire, ça veut dire lire à nouveau. Bondir, rebondir, ça veut dire bondir une nouvelle fois. Il peut être utilisé pour exprimer l'idée de la protection comme para. Pluie, parapluie, ça veut dire nous protège de la pluie. En général, il existe de nombreux préfixes entraîne toi à les utiliser correctement. Des, lui, un, auto, des, dit, ad, un, ir, extra, un, archi, hyper, multi, uni, co, af, ex, al, mono, dis, al, etc. Passons maintenant à l'évaluation. Détermine le préfixe dans les mots suivants et trouve le radical. Incomplet, agrandir, prévenir, alléger, décoder, irrationnel, surcharge, mécontent. Mettez s'il vous plaît la vidéo en pause et complétez le tableau. Passons maintenant à la correction. Le mot incomplet, le préfixe un, le radical complet, agrandir, le préfixe a, le radical grandir, prévenir, le préfixe pré, le radical venir, alléger, le préfixe al, le radical léger, décoder. Le préfixe « des », le radical « ou des ». Irrationnel, le préfixe « ir », le radical « rationnel ». Surcharge, le préfixe « sur », le radical « charge ». Mécontent,
le préfixe « né », le radical « content ». Merci de votre attention et à la prochaine.